7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ma rue chez vous, c'est un plaisir d'être chez vous, merci d'être là, c'est un plaisir, c'est un bonheur de partager cette émission, Marius, chez vous, aujourd'hui, en direct de Washington DC. En fait, chaque jour, j'essaie de changer la façon de vous dire bonsoir, pour pas que ce soit toujours la même chose. J'essaie juste d'être moi, d'être naturel, d'être vrai et de vous souhaiter la bienvenue dans cette émission. C'est pour ça que des fois, je tâtonne par où commencer. Je n'arrive pas. Question de juste rester moi, juste rester naturel. En tout cas, je suis très content de savoir que vous êtes là. Je vous remercie énormément, hein, notamment les amis qui ont l'habitude de suivre cette émission. Ceux qui chaque jour répondent en premier à cette émission, je pense à notre amie Sandra Lifino qui est là déjà présente et tous les autres qui sont des habitués de cette émission, qui prennent rendez-vous chaque fois que cette émission commence. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie énormément d'être là pour passer ce moment avec nous. Même si c'est la première fois que vous suivez cette émission, vous faites partie de la famille et nous vous souhaitons la bienvenue. Nous osons croire que ensemble nous allons passer des très 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 bons moments dans cette émission, parce que dans cette émission, non seulement nous vous apportons l'actualité, mais nous vous donnons également l'occasion de vous exprimer sur le sujet que nous avons choisi pour vous aujourd'hui. C'est pour ça que je vous propose d'ailleurs, si vous êtes là, pourquoi pas copier le lien de l'émission, partagez-le avec vos proches sur différentes plateformes, ça peut être sur Facebook, WhatsApp, que sais-je encore. Invitez les amis, appelez-les à venir se joindre à nous dans cette émission Marius chez vous. Et je pense que eux, comme vous, n'allez pas regretter le temps que vous allez passer en notre compagnie. En tout cas, merci encore d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission Marius chez vous, que j'ai le plaisir de vous présenter depuis Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique. Alors, il y a, disons, une année, disons deux ans, parlons de deux ans, si le PPRD avait demandé qu'on puisse reviser la constitution de la République démocratique du Congo, je pense que beaucoup d'entre nous auraient crié au scandale. Il y a une année, si le PPRD avait demandé de changer les animateurs de différentes institutions, comme la Cour constitutionnelle, je pense que beaucoup d'entre nous verraient une sorte de suspect, ce serait suspect de voir ça. Il y a deux ans, si le PPRD demandait le changement des gens qui dirigent des institutions, appelons ça comme ça, comme la CENI, comme la CESAC, je pense que beaucoup d'entre nous verraient une main noire. Ben aujourd'hui, le PPRD le dit.
le PPRD voudrait que certains articles de la Constitution soient révisés. Le PPRD voudrait notamment qu'il y ait un changement rapide à la tête de la Cour constitutionnelle pour nommer des nouveaux juges. Alors, oui, ils l'ont dit, est-ce que ça va se faire? Ça, on ne sait pas. Mais qu'est-ce que vous pensez du fait que c'est que le PPRD demande aujourd'hui, c'est ce que nous demandions hier. Aujourd'hui, qu'ils le demandent, qu'ils se trouvent de l'autre côté, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont raison? Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison de demander ces changements dans différentes institutions de la République démocratique du Congo ou encore une révision de notre Constitution? En tout cas, je suis très curieux de savoir ce que vous pensez parce que ça, ce sera notre sujet d'aujourd'hui. Emmanuel Ramazani Shadary, lors d'une matinée à l'occasion de présentation des vœux à tous les membres du PPRD dans la ville de Kinshasa, a donc, dans son discours, proposé la révision de certains articles de la Constitution. Il a également parlé de la nécessité de nommer de nouveaux juges à la tête de la Cour constitutionnelle. Alors, je vais vous proposer ces images et puis dans cette émission, nous allons inviter notre spécialiste maison, Maître Mopotou Mokbaya, Adolphe Mopotou Mokbaya. Il sera avec nous tout à l'heure pour essayer de nous expliquer tout ce qui se passe tout autour de cette affaire. Mais nous allons également essayer d'aller en Ituri. Vous savez, il y a quelques mois, le gouverneur de cette province, M. Jean Bamanissa, a été destitué par l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, avec plus d'une centaine de milliers de signatures, la société civile de cette province demande au président de la République de dissoudre simplement le Parlement, l'Assemblée provinciale de la province de l'Ituri. Est-ce que le président de la République est en mesure de le faire? Est-ce que la loi le lui autorise? Ce seront donc toutes ces questions que nous allons débattre tout à l'heure avec notre spécialiste maison, Maître Mopotou Mokbaya, qui tout à l'heure sera en direct avec nous de New York. Évidemment, la troisième partie aujourd'hui, nous allons continuer notre récolte de fonds. Alors aujourd'hui, spécialement, il y a quelque chose que nous n'avons jamais fait dans cette émission. Un grand donateur dans cette émission, comme vous le connaissez, s'est décidé qu'aujourd'hui, il va doubler la mise de tout ce que vous allez donner. Donc, vous savez que nous sommes en train de travailler pour renforcer la technique de notre émission, de nos studios et tout ça. Alors, aujourd'hui, Monsieur Evacal, parce que c'est de lui qu'il s'agit, va doubler la mise de ce que vous allez donner. Donc, si vous donnez 10 dollars, il en donnera 20. Si vous donnez 50, il en donnera 100. Si vous donnez 100, il en donnera 200. Jusqu'où Monsieur Evacal peut aller, jusqu'où vous pouvez le motiver à le faire, ça, ce sera en troisième partie de cette émission Marius chez vous. Donc, restez branchés, invitez des amis à venir se joindre à nous. On va voir également comment cette partie des récoltes de fonds et des doublements de vos dons va se faire dans cette émission Marius chez vous. Entre-temps, je vous propose donc de suivre le discours du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadary, et puis on se retrouve tout à l'heure. Ainsi, le PPRD n'entend point fléchir sur l'impératif du respect du nouveau code minier, garant de la création des ressources projetées à travers la loi de finances 2020. Notre parti national, le PPRD, implanté à travers tout le territoire national, ne cautionnera jamais, et alors jamais, les actions malveillantes et déstabilisatrices menées par des ennemis de notre indépendance économique qui aujourd'hui essaient de tirer à boulet rouge sur les dirigeants de la GECAMINE. Très chers camarades, l'année 2020 qui commence me semble à tous égards être une année quasiment difficile sur tous les plans. Il faudra que les pouvoirs publics, s'assument en créant des opportunités nouvelles pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Au minimum, il semble que cela passerait, à notre humble avis, à la fourniture de l'eau potable et de l'électricité en évitant tout délestage
et des conditions optimales de santé pour tous, sans oublier l'éradication totale du virus Ebola. C'est dans cet ordre d'idées que la loi des finances 2020 donne un clin d'œil à la gratuité de l'enseignement fondamental. Tant que le budget tanguait encore autour de 6 milliards de dollars américains, il n'était pas facile de s'imaginer assurer l'effectivité totale de la gratuité de l'enseignement fondamental. Une première tentative avait d'ailleurs été faite pour les deux premières années du primaire. Aujourd'hui, le PPD s'accorde avec les gouvernements qu'il doit s'agir d'une action à mener de façon progressive et qu'à ce titre, nous parents devions être bien informés en attendant la mobilisation effective des ressources inscrites au budget 2020 pour éviter vraiment, pour être vraiment clair et honnête. Nous pensons qu'avec toute la volonté politique du gouvernement, c'est seulement à partir de la rentrée scolaire 2021 que nous pourrions disposer d'indicateurs objectifs sur les paramètres d'intervention de l'État dans le financement total de la gratuité de l'enseignement fondamental. Le PPD condamne avec la dernière énergie tous les actes barbares de violence et tous les dégâts matériels enregistrés ces derniers jours sur le site de l'Université de Kinshasa. Notre parti recommande vivement au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais toutes les dispositions nécessaires pour la prise en compte des revendications des différentes parties en présence, plus particulièrement celles des étudiants, et en appelle ainsi à l'apaisement total et à la reprise des activités scientifiques et académiques à l'Université de Kinshasa. S'agissant des questions de sécurité, le PPD soutient et encourage les actions menées par nos forces armées, les FARDC, la police nationale congolaise et les services d'intelligence pour maintenir la paix, particulièrement à Beni et dans tout l'est du pays. Le PPD se réjouit de constater qu'enfin, des nouvelles voix s'élèvent courageusement pour nous rejoindre et rejoindre donc le président Kabila dans nos vieilles déclarations sur les menaces de déstabilisation et de démembrement ou dit contre notre pays. Nous n'avons jamais été devant en guerre, mais c'est si quiconque nous déclare la guerre, notre peuple suivra en cela les mots d'ordre qui nous a été légués par Mzé Laurent Désiré Kabila, les soldats du peuple qui nous invitaient à nous mobiliser pour ramener la guerre là où elle devrait venir. Ainsi, le PPD dénonce avec force ces politiciens de tous bords à mal de positionnement qui font la souffrance et tuerie de nos frères et sœurs de Beni un fonds de commerce. Nous devons donc nous mobiliser tous comme un seul homme pour que prenne fin définitivement cette guerre asymétrique qui n'est qu'un terrorisme bien planifié de l'extérieur et soutenu malheureusement par des Congolais à la recherche des forces sans en maîtriser les tenants et les aboutissants. Pour parvenir au chapitre des réformes, le PPD accompagnera les gouvernements dans la mise en œuvre des réformes dont nous avons besoin pour rationaliser notre système politique, maximiser les recettes et créer les richesses, moraliser la vie publique, renforcer la cohésion nationale, crédibiliser notre système de défense et de sécurité. Dans cette perspective, les réformes déjà engagées au sein des FARDC et de la PNC devront être poursuivies car il s'agit d'un travail de longue haleine qui a déjà commencé par le président Kabila et qui a commencé à produire des résultats rassurants qui méritent d'être consolidés. Quant aux réformes touchant la Constitution,
Il n'est un secret pour personne que notre loi fondamentale, adoptée en 2006, contient de nombreuses dispositions que les spécialistes appellent, qualifient des dispositions handicapantes, car elles ont été dictées par des élans de rancœur vis-à-vis de notre pays et des règlements de compte inexplicables. Nous n'en sommes plus là aujourd'hui, quoiqu'il y ait encore des survivances résiduelles qui ne devraient guère nous affoler. Sans ouvrir prématurément le débat sur les dispositions à modifier, parce qu'on le fera, nous pouvons nous limiter à évoquer par exemple ce jour la problématique de l'élection des gouverneurs des provinces par les assemblées provinciales et leur contrôle parlementaire. On peut également évoquer par exemple la rationalité économique de l'élection des députés provinciaux au suffrage universel direct. Mais également on peut évoquer le coût financier des élections et de la mise en place des institutions locales, municipales et urbaines. Par ailleurs, nous pensons que l'heure est venue de procéder au renouvellement des animateurs d'institutions d'appui à la démocratie, notamment ceux de la CENI, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la CNDH. Il en est de même de certains membres de la Cour constitutionnelle. Le PPD, parti avant-gardiste, va s'investir positivement dans ce processus et aura des membres à tous les niveaux. Il y a eu certes des faits à déplorer, mais nous constatons cependant que le pays tient toujours debout et que nous progressons lentement mais sûrement. Mesdames et messieurs, distingués camarades, ce n'est donc plus le moment de venir proposer des idées rétrogrades sur des soi-disant forums ou consultations qui viendraient remettre en cause la légitimité des institutions en place. Le PPD s'opposera donc à toute tentative de reddition des conciliabules avec des acteurs qui avaient refusé de rejoindre la logique du CENSA. Et nous tenons par exemple à ce que les futurs animateurs de la CENI soient des personnalités dotées d'une expérience avérée dans la gestion des structures politiques et électorales. Concernant la justice, les propositions de notre parti sont on ne peut plus claires. Il s'agit, ceci, les conditions de travail des magistrats et de tout le personnel judiciaire devraient être celles qui leur permettraient de se mettre à l'abri des sollicitations de tous ordres afin d'assurer une distribution équitable à la justice à travers le territoire national. De même, le PPD formule le vœu que le gouvernement de la République améliore sensiblement les conditions carcérales des personnes privées de liberté pour violation de la loi et mène une lutte acharnée contre la corruption et l'impunité. Chers camarades, à ce sujet, il est exigé, comme nous le savons par notre Constitution, qu'à l'entrée en service, comme à la fin de ses fonctions, chaque agent de l'État assumant des hautes responsabilités fasse la déclaration de ses avoirs. C'est constitutionnel. C'est censé contribuer à la transparence, à la culture de reddition des comptes et à l'accroissement de la moralité publique dans l'exercice des fonctions publiques. Cette disposition devrait être étendue à tous les mandataires publics, mais elle n'a pas de sens et d'efficacité que si effectivement un suivi est fait à travers un organe parlementaire ou indépendant et qui examine les dossiers des avoirs de chaque dirigeant politique ou mandataire concerné. À ce sujet, afin de lutter contre la corruption, la concussion et de garantir la transparence, le PPD, parti avant-gardiste, tourné vers les valeurs républicaines, le PPD, disais-je, va bientôt initier un projet ou une proposition de loi portant création d'un organe
de vérification des sources et des biens acquis par les mandataires publics, politiques et gestionnaires. Une personne, je disais que le PPD, parti avant-gardiste, tourné vers les valeurs républicaines, va bientôt initier un projet ou une proposition de loi portant création d'un organe de vérification des sources de biens acquis par les mandataires publics, politiques et gestionnaires. Une personne dont le dossier est en ordre, c'est-à-dire ayant valablement justifié les sources et les moyens de ces acquisitions, cette personne recevra du service compétent un certificat de conformité aux normes et procédures d'acquisition des biens. Par contre, toute personne qui n'arrive pas à justifier un enrichissement au-delà du raisonnable recevra un carton rouge. Par contre, toute personne qui n'arrive pas à justifier un enrichissement au-delà du raisonnable recevra un carton rouge et verra son dossier de biens estampillé du sceau de non-conformité. Ce dernier est alors acheminé manu militari devant les organes judiciaires compétents pour enquête, poursuite et sanction, et ces biens mal acquis seront saisis par les pouvoirs publics. Voilà, nous sommes en direct avec en direct de New York avec Maître Mopoutou Mogbaya, Adolphe Mopoutou Mogbaya, comme vous savez, qui est notre spécialiste maison en matière de droit, surtout en ce qui concerne la Constitution et tout ce qui y relatif. Alors, on va parler avec lui pour essayer de comprendre ce qui entoure toute cette discussion autour du changement de la Constitution, mais aussi de tout ce qui se passe aujourd'hui dans la province de l'Ituri. C'est là que nous allons commencer justement. Maître, merci beaucoup d'être avec nous en direct de New York. Je vous dis bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir Maître. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends parfaitement. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, parlons d'abord de ce qui se passe en Ituri. Il y a quelques jours, nous savons, l'Assemblée provinciale de l'Ituri a destitué le gouverneur de la province de l'Ituri, Monsieur Jean Bamanissa. Et cette situation a créé une crise au sein de l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Il y a eu plus d'une centaine des milliers de signatures qui ont été récoltées et la balle se trouve maintenant entre les mains du président de la République à qui la société civile de l'Ituri demande la dissolution pure et simple de l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Alors ma toute première question est de savoir, est-ce que dissoudre l'Assemblée provinciale, cela relève du président de la République? Merci beaucoup, cher Marius, de la question. En effet, le président de la République est le seul habilité à pouvoir dissoudre l'Assemblée provinciale. En fait, il a le pouvoir de dissolution des assemblées provinciales, au même titre que l'Assemblée nationale. Alors, c'est quoi ici la condition pour que le président de la République puisse dissoudre une assemblée provinciale? La raison principale telle que dictée par la Constitution, c'est celle de constater qu'il y a une crise politique grave et persistante qui menace d'interrompre le fonctionnement normal des institutions au sein de la province. C'est cette crise qui persiste et qui affecte le fonctionnement des institutions provinciales qui peut faire que le président de la République puisse prendre la décision de dissoudre l'Assemblée provinciale. Alors aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Ituri. Est-ce qu'il y a, on peut dire, Maître, qu'il y a suffisamment d'éléments pour que le président de la République dissolve l'Assemblée provinciale de l'Ituri? En effet, on peut constater qu'effectivement, il y a ces éléments-là, parce qu'on parle d'une crise politique persistante. Depuis que l'Assemblée provinciale a voté la destitution du gouverneur de l'Ituri, nous avons tous compris qu'il y a un sérieux problème au sein de dans cette province. Et vous allez être d'accord avec moi que lorsque la société civile vient s'ajouter à toutes ces personnes qui viennent revendiquer finalement que le président de la République puisse dissoudre l'Assemblée provinciale de l'Ituri,
effectivement, il y a une crise persistante qui risque effectivement de menacer le fonctionnement normal des institutions provinciales au sein de l'Itouri. Alors, c'est quoi la procédure maintenant quand le président dissout l'Assemblée provinciale? C'est quoi la procédure à suivre pour en arriver là? En réalité, le président de la République, s'il décide de dissoudre l'Assemblée nationale, il doit en principe l'Assemblée prendre... L'Assemblée provinciale, excusez-moi, il doit en principe prendre une ordonnance présidentielle de dissolution, mais cette ordonnance devrait être ou doit être délibérée au sein du Conseil des ministres pour juger de l'opportunité de la dissolution de l'Assemblée provinciale. Mmh. La deuxième chose, c'est que le président de la République est appelé à consulter les présidents de l'Assemblée nationale et celui du Sénat avant de prendre cette décision. Donc ce sont là les différentes conditions qui sont posées. Il ne s'agit que des conditions de forme, mais dans le fond, c'est seul le président de la République qui a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée provinciale. Voilà, on va voir ce qui se passe hein, dans cet épisode en Itouri, mais revenons à ce qui est d'actualité aujourd'hui, notre sujet du jour. C'est cette sortie médiatique du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Sadari, qui est pour le renouvellement des animateurs des institutions de la République démocratique du Congo et pour le changement de la révision de la Constitution, dit-il pour élaguer des nombreuses dispositions handicapante. Nous allons en parler avec vous, maître. On a déjà eu une émission dans laquelle nous avions parlé de tout ce qui concerne le changement de la Constitution. Revenons-en aujourd'hui. La même chose que le PPRD est en train de demander aujourd'hui, hier, je pense qu'on les regardait avec quatre yeux, si ça existe, je sais pas, quatre yeux. Et puis, aujourd'hui, ils demandent la révision de cette Constitution. D'abord, est-ce que la Constitution peut être révisée? Oui, la Constitution peut être révisée. Parce que si nous allons au titre 6, je crois, de la Constitution, 7, pardon, de la Constitution, il est intitulé de la révision constitutionnelle. Donc cela veut dire que la Constitution elle-même prévoit c'est la révision de ces dispositions. Mais alors, la Constitution dit que cette révision ne peut concerner certaines matières qui sont énumérées à l'article 220 de la Constitution. Donc, une éventuelle révision de la Constitution ou des dispositions constitutionnelles est possible à condition de ne pas toucher aux matières prévues à l'article 220 de la Constitution, qui concerne notamment la question de mandat, le nombre de mandats du président de la République qui se limite à 2. Donc le président de la République est élu pour 5 ans. La période de 5 ans ne peut s'étendre et le nombre de mandats est limité à 2. Donc on ne peut, un président de la République élu n'a le droit que de renouveler son mandat une seule fois. Et en plus de cela, il y a la question de l'indépendance du pouvoir judiciaire, il y a la question du pluralisme politique et syndical qui sont des matières. Aussi, à cela, il faut ajouter la question des libertés fondamentales. Ce sont des matières qui sont prévues par l'article 220 et qui ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Alors ici, le PPRD, quand il parle de la révision constitutionnelle, il parle également du mode de désignation ou d'élection des gouverneurs de province. La même chose, je dis, s'ils le disaient hier, on allait leur prêter des intentions, mais aujourd'hui, ils le disent. Est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt particulier du PPRD en termes de leur poids, de revendiquer que ceci soit fait? Supposons que c'est le président de la République qui doit maintenant nommer les gouverneurs. En quoi cela serait positif pour le PPRD? Oui, naturellement que le PPRD en tant que parti politique a des intérêts politiques. Ça, on ne peut pas le lui refuser. Mais alors, il faudrait maintenant savoir ses intérêts, est-ce que ce sont des intérêts qui profitent à l'ensemble du pays et à l'ensemble de la population ou ce sont des intérêts simplement partisans? Donc, c'est ça la question. Mais on ne peut pas refuser au PPRD d'avoir des ambitions politiques. Ça, c'est un fait. Mais alors, il y a une question de juger de l'opportunité de la révision de toutes des dispositions qui sont concernées. Lorsque, par exemple, on prétend, je ne sais pas
exactement en quoi consiste la proposition de la révision que les PPRD voudraient soumettre. S'il s'agit de la question des gouverneurs et que le gouverneur devrait être nommé, ça dépendra aussi de ce que le président de la République pourra penser. Parce que, à mon entendement, lorsque j'avais suivi le chef de l'État, il était question de changer le mode de désignation en passant de l'élection à suffrage universel indirect, c'est-à-dire lorsque les gouverneurs sont élus par les grands électeurs, c'est-à-dire les députés provinciaux, et en optant pour un mode de désignation d'élection à suffrage universel direct. C'est-à-dire que le gouverneur devrait, en principe, après la révision, être élu, par la population de la province où le gouverneur doit, en principe, diriger. Et donc, je crois que sur cette question-là, il y a quand même une différence d'approche entre le chef de l'État et le PPRD. Je ne sais pas en quoi consiste la proposition du PPRD, mais ce que je peux dire, c'est qu'une révision dans cette matière est possible parce que la question des désignations de gouverneurs ne fait pas partie de l'article 220 qui limite les matières qui doivent faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Donc, si je vous comprends, la révision peut être révisée, mais seulement dans les termes qu'elle-même la Constitution a prévus. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. Mais c'est quoi la procédure une fois qu'un article constitutionnel est révisé? Oh, oui, d'abord, il faut partir des initiatives. L'initiative peut provenir du président de la République, l'initiative de la révision d'une disposition ou d'une matière au sein de la Constitution peut partir soit du président de la République, soit du gouvernement après délibération au Conseil des ministres, soit à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, et enfin, soit à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes qui pourraient s'exprimer par une pétition qu'on doit adresser aux deux chambres du Parlement. Donc, ce sont là les quatre sources des institutions qui pourraient prendre l'initiative d'une quelconque révision constitutionnelle. Alors, dès lors que l'initiative est passée, émanant soit du président, soit du gouvernement, soit de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ou encore soit de la pétition d'au moins 100 000 personnes, à ce moment-là, le projet doit passer au vote au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat pour juger si ce projet pourrait passer ou pas. Parce qu'il faudrait qu'on vérifie si la matière qui doit faire l'objet de la révision touche aux dispositions de l'article 222 qui prescrit ou qui interdit à ce que l'on puisse réviser certaines matières qui sont prévues par la Constitution. Et donc, ça, c'est la première étape. Dès lors que l'initiative est venue, dès lors que la proposition est faite, le Parlement va juger de l'opportunité de pouvoir faire passer cette révision au constitutionnel en regardant si les matières de l'article 220 ne sont pas concernées. Et la troisième étape, maintenant, c'est que la révision va être discutée au sein du Parlement, dans différentes chambres du Parlement, et elle peut être votée. Et si elle est votée, il y a une condition sine qua non qui veut que, bien que la révision ait été votée au niveau du Parlement, différemment au niveau de la chambre basse et au niveau de la chambre haute, à ce moment-là, la révision ne peut être définitive que lorsque ce projet ou cette proposition ou cette pétition est approuvé par référendum sur convocation du président de la République. C'est-à-dire que le président de la République doit convoquer un référendum pour poser la question au peuple congolais s'il est d'accord, oui ou non, de la proposition qui vient du Parlement à l'initiative des quatre institutions que j'avais citées si haut. Mais nous avons vu le président Joseph Kabila changer de constitution pour ramener le mandat présidentiel de deux à un mandat. Et puis, il n'y a pas eu référendum. Ça veut dire que cette loi est illégale? D'abord, il n'a pas changé de constitution. On a révisé certaines dispositions de la constitution. Ouais. C'est quoi la différence? C'est quoi la nuance? Changer la constitution, c'est-à-dire abandonner l'actuelle constitution et
prendre une nouvelle. Et généralement, lorsqu'on change de constitution, à ces moments-là, je crois, on passe à une autre république. Parce que là, nous sommes à la, nous sommes à la 4e République. C'est hein, pas donc la 3e, parce que là, moi, je suis un peu confus. Là. Non, okay. C'est la 4e République. République. Okay. Oui, oui, okay. Oui, avec la, okay. la nouvelle constitution qui a été votée par référendum en 2005. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Et par rapport à la question que tu viens de poser. Donc, il a révisé la constitution. Oui, il a révisé, la constitution a été effectivement révisée. Maintenant, il y a un bémol lorsque le référendum n'a pas été convoqué par le président de la République. Il y a une autre condition sine qua non, une sorte d'exception. Il faut que la révision qui a été votée différemment par les deux chambres du Parlement soit à ce moment-là votée au niveau du Congrès. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale et le Sénat doivent se réunir ensemble, comme ça a été le cas lorsque le président de la République avait tenu son discours sur l'état de la nation. Il faut que les sénateurs et les députés se mettent ensemble. Et là, on ne parle plus du Parlement, mais on parle du Congrès. À ce moment-là, ce Congrès va pouvoir procéder au vote, je crois, aux 3/5 de la majorité pour que cette révision puisse passer. À ma connaissance, je ne sais pas si les révisions qui ont été faites de la Constitution sont passées par cette procédure, parce qu'il n'y a pas eu référendum, ça c'est un fait. Je n'ai pas souvenance d'un congrès qui s'était réuni pour faire passer cette révision constitutionnelle. Hein? Donc, à mon entendement, s'il faut suivre scrupuleusement ce que la Constitution dit, je pense qu'il y a eu un vice de procédure sur cette question des révisions des différentes dispositions qui ont été faites de la Constitution. Merci beaucoup, maître. Nous avons appris à ce sujet. Revenons à l'autre proposition du PPRD. Donc, le PPRD est ouvert au renouvellement des animateurs des institutions d'appui à la démocratie et de la Cour constitutionnelle. Alors, ce qui étonne ici, c'est que nous avons tous, une certaine opinion pense que la Cour constitutionnelle est acquise au FCC. Le fait que le PPRD demande le renouvellement de membres de la Cour constitutionnelle pose quand même beaucoup de questions. Alors finalement, on se dit, voilà, la même chose, c'est la même chose que demandent aussi ceux qui soutiennent l'actuel président de la République, donc le remplacer certains membres de la Cour constitutionnelle. Alors, maintenant, au niveau où nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que le président de la République peut changer cette Cour constitutionnelle? Vous nous en avez déjà parlé une fois dans cette émission. Sinon, comment ça se passe? Oui, effectivement, ce qui est vrai, c'est que le président de la République est le seul habilité à pouvoir nommer le membre de la Cour constitutionnelle, et qui sont au nombre de 9, de 9 juges qui sont nommés par le président de la République. Et parmi ces juges, il y a un qui est désigné par ses pairs comme président de cette juridiction constitutionnelle. Mais alors, la procédure, c'est que, comme la Constitution le prévoit, sur les 9 juges ou membres de la Cour constitutionnelle qui sont nommés par le président de la République, 3 viennent à l'initiative du président de la République lui-même. 3 autres viennent à l'initiative de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'ils doivent être désignés au niveau de l'Assemblée nationale pour être nommés par le président de la République. Et les 3 derniers viennent sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire qu'il y a 3 catégories de juges par rapport à leurs origines, tous sont nommés par ordonnance présidentielle, mais tous ne sont pas désignés par le président de la République. Le président de la République a le pouvoir de désigner 3, l'Assemblée nationale 3 et le Conseil supérieur de la magistrature 3. Mais alors, pour parvenir à la désignation de nouveaux membres de la Cour constitutionnelle, la Constitution prévoit ce que nous appelons le tirage au sort. Il faut qu'un tirage au sort soit organisé au sein de la Cour constitutionnelle pour désigner les personnes qui devront quitter la Cour constitutionnelle. Ils ne sont pas connus d'avance et c'est un système qui est installé pour éviter justement ce que nous craignons, c'est-à-dire la politisation à outrange de ces cours. L'influence politique sur la justice. Effectivement. Depuis que cette cour a été installée, à ma connaissance,
aucun tirage au sort n'a été organisé. Et je pense que maintenant, le président de la République peut user de son pouvoir discrétionnaire pour exiger à ce que les tirages au sort soient organisés, afin que les quelques membres de la Cour constitutionnelle puissent quitter et que l'on puisse désigner les trois, ou ça dépendra du nombre des personnes qui quitteront, en tout cas qui doit correspondre à ceux qui vont entrer comme membres de la Cour constitutionnelle. Donc on peut dire aujourd'hui que le président de la République a trois nouveaux juges dans sa poche qu'il peut proposer à la Cour constitutionnelle déjà ? Effectivement, là ça dépend totalement et exclusivement de lui. Donc, il n'y a aucune interférence. Là, c'est lui qui décide. Il peut me désigner, moi, comme membre. Donc, personne ne peut contester cela. Voilà. Donc, et si seulement le PPRD aujourd'hui demande le renouvellement de cette Cour constitutionnelle, comme j'ai dit, hein, une certaine opinion pense que cette Cour leur est acquise. Maintenant qu'ils demandent, ça veut dire qu'ils ont soit le même intérêt pour le président de la République, soit ils ont un intérêt derrière pour que cette Cour soit révisitée. Et ça peut être quoi cet intérêt ? Oui, mais il faut d'abord rappeler que le PPRD est un parti qui, il faut pas faire de l'hypocrisie, qui n'est pas vraiment bien apprécié au niveau de la population. Et que maintenant, avec la posture actuelle, nous avons tous l'impression qu'ils cherchent à se rattraper, ces partis politiques. Et en conséquence, ils veulent faire 12 yeux à la population. C'est-à-dire qu'ils veulent couler ou qu'ils veulent aller dans le même courant que ce que la population voudrait. Donc c'est ça, ils essaient d'amadouer la population. Parce que nous savons tous que le PPRD n'a aucun intérêt que les magistrats qui composent la Cour constitutionnelle ne puissent changer, puisqu'il est essentiellement composé de personnes qui sont, je pourrais dire, entre guillemets, qui sont acquis à leur cause. Donc, ils ont intérêt plutôt à vouloir que ces magistrats puissent être maintenus au sein de la Cour constitutionnelle pour, entre guillemets encore, les manipuler. Donc, normalement, ils n'ont pas intérêt à ce que le changement puisse être effectué. Mais pourquoi ils le demandent alors? Puis, effectivement, c'est ce que je dis. Politiquement, on peut justifier cela par le fait qu'ils cherchent à faire 12 yeux à la population et pour essayer de marcher et dire que voilà, maintenant, nous sommes en train de rencontrer les aspirations du peuple congolais pour essayer d'amadouer le peuple afin d'attirer la sympathie justement de ce peuple congolais qui est hostile au PPRD et à tout ce que le PPRD entrevoit. Alors quand on revient à l'Assemblée nationale, ça peut se justifier comme ça. Quand on revient à l'Assemblée nationale qui, elle, peut choisir trois candidats à proposer, est-ce que ça joue sur le plan de l'opposition et le pouvoir ou c'est juste, il y a une procédure pour les choisir ? Ces trois membres. Non, en tout cas, la Constitution ne précise pas sur cette question qu'il doit s'agir d'un député, d'un quelqu'un qui doit venir de l'opposition, de la majorité, parce qu'il faut retenir que la question de la Cour constitutionnelle, c'est une question de la magistrature. Il s'agit des magistrats. En principe, ils doivent être apolitiques. Donc, le PPRD peut désigner des personnes qui sont de leur acquaintance, mais il n'est pas dit qu'ils soient de la majorité. Il s'agira en tout cas d'un vote des personnes qui vont être désignées à ces différents postes. Probablement qu'il y aura des manifestations de la volonté de la part de certaines personnes qui voudront se voir être désignées pour être nommées par le président de la République, mais cela reste une désignation politique. Donc le PPRD va, en tout cas en principe, vouloir placer des personnes qui soient de son obédience afin de les contrôler. Même si il n'aura pas la possibilité maintenant d'avoir la majorité, parce qu'il ne faut pas oublier que le deux tiers de cette Cour constitutionnelle est composé des personnes qui viennent à l'initiative du président de la République et à l'initiative du Conseil supérieur de la magistrature, qui est une instance judiciaire apolitique qui n'a rien à voir en principe avec la politique. Donc, je crois ça, que c'est dans la logique. Ouais. Ça, c'est dans la logique. C'est dans la logique, effectivement. Nous ne connaissons pas les niveaux, je ne peux pas l'affirmer, mais j'ai dit que nous ne connaissons pas les niveaux de l'inféodation des magistrats actuellement au pays. Espérons que ces magistrats auront le courage de s'affranchir afin de pouvoir se considérer indépendants tel que la Constitution le dit. Parce que la magistrature est censée être indépendante, ou la justice est censée être indépendante.
Maître, merci hein, beaucoup pour tous ces éclaircissements qui nous ont beaucoup aidé à comprendre le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et aussi comment on peut changer, on peut réviser la Constitution. J'ai appris qu'il ne s'agit pas de changer, mais il s'agit de reviser la Constitution. Exactement. Merci beaucoup, Maître. Je vous souhaite une bonne soirée depuis New York, d'où vous nous avez appelé. Merci encore de nous avoir appelé. Merci, cher Marius. Je t'en merci, prie. Merci. Voilà, après cet entretien avec Maître Mopotu Mugbaya depuis New York, nous sommes arrivés à ma partie préférée. C'est la partie où vous êtes très nombreux à vouloir intervenir. C'est la partie que je préfère parce que vous êtes, j'apprends tellement de vous et vous allez m'en apprendre encore aujourd'hui. Donc le micro vous appartient maintenant. Vous pouvez appeler pour donner vos points de vue par rapport à ce sujet. Ma plus grosse question aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui nous sommes prêts à accepter ce que le PPRD propose, ce que nous n'étions pas prêts à accepter il y a il y a une année ou deux. J'aimerais bien vous entendre vous exprimer à ce sujet. Alors le tout premier appel de cette émission nous vient donc de Monsieur Pinto. Voilà. Curieusement, aujourd'hui, Monsieur Pinto, c'est le tout premier à appeler. Monsieur Pinto, bonsoir et merci encore d'appeler depuis la France. Bon, bonsoir Marius, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à Sandra parce que je dois lui faire passer un message par rapport à ce que a dit Maître Adolphe que j'apprécie énormément. Alors, l'une des questions, la dernière question que vous avez posée là, en se disant et pourquoi est-ce que le PPRD veut faire tous ces changements? Moi, je pense simplement que c'est pour se faire simplement bien voir auprès de la population. Ça ne leur coûte rien parce qu'ils seront toujours majoritaires au sein de ces différentes assemblées, notamment au niveau de la Constitution. Maître Adolphe a dit quelque chose tout à l'heure, hein, il faut faire une distinction entre nommé et désigné. Le PPRD va dire, vous voyez les trois juges là, ils ont été nommés par Fatih. Mais sauf qu'ils ne seront pas désignés par Fatih. Parce que Maître Adolphe a dit tout à l'heure, et c'est là que je passe le message à Sandra, que, en fait, le renouvellement, il se fait au tiers, si on respecte la Constitution. Le renouvellement se fait au tiers. Donc ça veut dire que ce que le PPRD est en train de demander, c'est qu'il faut changer trois juges. C'est ça le renouvellement au tiers. On doit changer trois juges. Mais les trois juges qui seront changés, il y en aura un pour le président de la République, il y en aura un pour l'Assemblée nationale, il y en aura un autre pour le Conseil supérieur de la magistrature. Ça va rien changer, en fait. Donc, en réalité, il y aura toujours six juges qui seront là, qui auront été nommés par Kabila, plus un septième qui aura été nommé par l'Assemblée nationale actuelle, parce que s'il n'y en a qu'un, ça sera sûrement le PPRD qui va le désigner. Donc, ils seront toujours majoritaires. Sauf que cette fois-ci, il est très probable que le président de la Cour constitutionnelle sera nommé par Fatih. Alors, la question qu'on se pose, hein, Monsieur Pinto, justement, c'est la grande question que je me pose. Est-ce qu'on est aujourd'hui prêt à accepter ce que le PPRD dit, ce qu'on n'acceptait pas il y a... Pourquoi aujourd'hui on devrait l'accepter ou pourquoi aujourd'hui ils ont le courage de le dire, par contre? Parce que moi, je pense qu'il faut l'accepter parce que de toute façon, on ne peut pas rester avec cette Cour constitutionnelle. Admettons même que l'on veut bouleverser toute la Cour constitutionnelle, mais en respectant les institutions en place, le FCC sera toujours majoritaire parce que
Il a dit aussi à Maître Adolphe tout à l'heure, on ne connaît pas les tendances du Conseil supérieur de la magistrature. Mais on sait très bien que le président, il va en nommer peut-être trois. À l'Assemblée nationale, eux, ils vont en nommer probablement trois aussi, le PPRD. Et ils en nommeront peut-être deux au Conseil supérieur de la magistrature. Donc, ils vont s'arranger pour être majoritaires et avoir 5 voix sur 4. Donc, Fatih sera toujours minoritaire au niveau du Conseil supérieur. Donc, eux, c'est hyper bien joué parce que soit on bouleverse tout et ils sont à minima à 5, soit on bouleverse au tiers et ils sont à minima à 6 ou 7. Donc, ça ne leur coûte rien de faire ça. À la fin, par contre, c'est toujours eux qui gèrent. C'est toujours eux qui gèrent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que, ça après c'est ma conviction, et je l'ai déjà dit, le PPRD et le FCC ne peuvent gagner les prochaines élections qu'en trichant. Mais ça, c'est ma conviction. Donc, il sera beaucoup plus facile de faire passer le partage du pouvoir avec une cour constitutionnelle qui sera totalement révisée, mais qui restera quand même sous la coupe du PPRD. Là, ils sont en train de jouer tranquille. On va changer les institutions de ce côté-ci, on va changer le mode d'élection des gouverneurs. Ça va changer l'animateur de la CENI, voilà. On propose ça aussi. Hein. Voilà. Or, le problème, c'est quoi? C'est que dans la dynamique dans laquelle ils sont installés, ECHAS et le FCC sont obligés de négocier pour pouvoir réviser la Constitution. Une chose, que l'on n'a peut-être pas, auquel on n'a pas fait attention, le FCC, le CASH et l'UDPS et l'UNC ont dit qu'ils allaient alterner. Donc toi tu fais 5 ans, moi je refais 5 ans, toi tu fais 5 ans, je refais 5 ans. Sauf que si Félix fait ces 5 ans-là et que la Constitution elle n'est pas changée, pas révisée, je dis bien changée, si elle n'est pas changée, la carrière politique de Félix elle se termine dans 4 ans-là, puisqu'il sera sénateur à vie. S'il est sénateur à vie, il ne peut plus postuler à un quelconque poste politique. Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il a envie de faire? Donc on va se retrouver dans une très très forte négociation sur le postulat de sénateur à vie. Qu'est-ce que l'on fait de ça? Est-ce que cet article de sénateur à vie, on le fait sauter ou on ne le fait pas sauter? Le problème, c'est que si on le fait sauter, ça voudrait dire qu'on laisse la possibilité, non pas à Kabila de revenir en tant que président de la République, parce que ça, il ne peut pas, mais il peut postuler à un poste de gouverneur dans le Maniema, dans le Tanganyika, chez son frère, puisqu'il ne sera plus sénateur à vie. Donc, je pense qu'il va y avoir de grosses négociations entre le PPRD et le FCC, et ces négociations-là, elles seront sur la base de ceci. Merci beaucoup. Je termine. Le PPRD va conserver une majorité relative au niveau des députés, parce qu'ils seront nommés, ça j'en suis sûr et certain. On va donner à CASH peut-être 20 ou 25%. En tout cas, on va lui donner un nombre de députés qui ne lui permettront jamais de pouvoir avoir la majorité. Quand vous dites donner, ça a l'air un peu trop facile, non? Parce qu'il s'agira des élections et qui seront cette fois-ci organisées par Félix Tshisekedi. Oui, mais ils seront organisés par lui, mais entre-temps, le PPRD est en train de demander que l'on puisse déjà faire le renouvellement des institutions. Vous pensez bien que s'ils demandent ça, c'est pour placer là leurs hommes. Les élections, si Félix ne tape pas du poing, si on ne fait pas ce que demande l'AMUKA, c'est-à-dire on fait une révision des institutions d'un point de vue politique avec la Cinco, les églises, la société civile et tout, pour tout mettre à plat. Si on ne le fait pas, on va se retrouver avec la révision qu'est en train d'envoyer le PPRD et qu'à mon avis, l'UDPS va accepter. Ils vont négocier le nombre de députés pour pouvoir continuer à gouverner. Je pense que c'est ce qui va se passer. Merci beaucoup, Monsieur Pinto, pour votre analyse. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous êtes encore à Paris. Merci. Je suis encore à Paris pour 5 jours. D'accord. Merci, bonne soirée et au revoir. Voilà, nous allons continuer avec cet autre appel depuis les États-Unis. Allô? Avec la révision. Allô? Allô? Allô?
Oh là là, malheureusement, notre ami est parti après qu'il soit passé, même si c'est très difficile de passer dans cette émission, mais il est parti. Nous allons en profiter pour vous proposer hein, donc ce programme de... Vous savez que le conseiller du président de la République démocratique du Congo est décédé donc à Kinshasa. Il y a un deuil qui est organisé ici à Washington DC, d'où il est résident. Je vous propose donc ce communiqué pour ce deuil qui est donc organisé. Alors donc la famille de Monsieur Mundela Chimanga porte à la connaissance donc de tout le monde que le deuil s'organise de la manière suivante. Donc aujourd'hui vendredi à partir de 10h, de 18h jusqu'à 20h, le deuil est organisé à 10 E Deer Park Drive à Gettysburg, à Maryland. Et puis demain, samedi, à partir de 10h30, il y aura une messe d'action des grâces qui sera organisée sur Father Harlem Boulevard à Germantown. Et puis l'enterrement interviendra demain, donc à partir de 13h, toujours à Germantown, à Maryland. Donc vous avez l'adresse et du lieu du deuil et de tout le programme par rapport à ce deuil. Donc nous vous demandons donc si vous êtes dans la région de Washington DC, que vous puissiez vous rendre à ce deuil pour soutenir la famille. Merci beaucoup. Alors nous allons prendre donc cet appel qui vient de du Congo. The WhatsApp, on ne sait jamais. Allô? Allô, bonsoir Marius. Bonsoir. Bonne année, c'est Monsieur Amos de Lubumbashi. Monsieur Amos, ça fait très longtemps qu'on n'a plus entendu parler de vous. Nous sommes très contents de vous avoir encore aujourd'hui. Bonne année à vous. Merci, merci pareillement. D'accord, je vous écoute Monsieur Amos. Pourquoi vous pensez que le PPRD propose ceci maintenant? Aujourd'hui, j'ai appelé juste... chaque jour, je vous suis, mais je n'ai tout pas l'occasion d'intervenir. Ok. Aujourd'hui, j'ai trouvé quand même aussi le sujet intéressant. Et puis allez-y, on vous écoute. De passer. Allez-y. Je trouve que toutes les analyses ont été faites, y compris aussi M. Pinto, mm-hmm. qui a fait aussi une bonne analyse, mais... il est bon, un peu pessimiste, quoi. Moi, je trouve que la vérité, c'est que le PPRDC, qu'il est en perte de vitesse. Et il reste vraiment peu de temps. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, ce sont juste des agitations, quoi. Ils cherchent comment essayer de rentrer dans les cœurs du peuple. Parce que même Joseph Kabila sait qu'il est le président, donc l'ancien président le plus détesté du peuple. Donc, ce qui veut dire que, pour l'instant, le PPRDC, pour survivre politiquement, il faut chercher à s'arranger derrière le peuple. Mais si ça range derrière le peuple, c'est ce que nous voulons. C'est ce que tout le monde voudrait, qu'un parti politique travaille politiquement pour le peuple. Où est le mal? Mais c'est à une condition, à une seule condition. La seule condition, c'est de nous faire oublier Joseph Kabila. Mais ça, ils ne peuvent pas. Parce que le peuple ne veut pas, c'est d'entendre parler de Joseph Kabila. Mmh. Le peuple voudrait que dans 2 ou 3 ans, que l'on oublie complètement Joseph Kabila, qu'on ne parle plus de lui. Donc si je vous comprends, Monsieur Amos, ce que le PPRD est en train de faire, c'est juste pour se faire plaisir, pour faire plaisir à la population. En réalité, ils ne veulent pas ce qu'ils proposent. Mais le problème qu'il y a, c'est que... Allô? Je vous écoute, Monsieur Amos. Le problème qu'il y a, c'est que tous les mouvements du PPRD est minutieusement surveillé par le peuple. Donc c'est comme qui dirait, le peuple dit au PPRD... je te tiens à l'œil. Tout ce que le PPRD fait, dont le peuple est sensible, allergique, ce qui veut dire que même tout ce qu'il voudrait faire comme révision, le concert, tout ceci ou cela, ça ne va pas se jouer au niveau du Parlement. D'accord. Ça va se jouer seulement au niveau de la rue. D'accord. Donc, le peuple sera très vigilant.
D'accord. Nous allons entendre, monsieur Amos, ce que d'autres personnes pensent aussi. Je vous souhaite une bonne soirée et nous allons maintenant partir au Brésil ou le Mexique, je crois, pour prendre cet appel. Allô? 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 Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous appelez comment? Allô, vous m'entendez? C'est Mathieu Bofos. Mathieu Bofossa, ça fait très longtemps aussi aujourd'hui. Oui, je vous entends bien, c'est Mathieu Bofossa. Les revenants reviennent. Je suis très content de vous entendre, Mathieu. On vous écoute, bienvenue et bonne année. Bonne année, Marius Munga, bonne année à toute ta famille, bonne année à tous les amis de Marius chez vous. Merci donc, on est là. Merci, j'espère que vous avez toujours dans la bino, toujours dans la émission. Depuis le Brésil. Bien que tu bien raté tout ce karaté, baninga misusu babé nga tanto ya kambala moto kotaka. Alors, c'est au cas où pas cité au cas où. OK. OK. Marius, je crois que oyebinga nalaka toujours vérité vérité. Madame ya PPRD toyo ki maître à MCB Solobi. Kokito zang sa bango pe chance te to pe sa bango chance peut-être balingi ba convaincre population na ndenge mususu maître EPRD a dirigé mboka wana 18 ans a koki loti lelo Tshisekedi da zawana bien que ba façon to yebi aza président ya mboka batikaye batikaye ya sala nanu. Mais, batikaye ya sala, tango zolo ba batikaye ya sala, loko ni ya mabeba lobi. Batinyo soba zolo nga ke, Félix Tshisekedi a changé ba juge na cour constitutionnelle. Et ça veut ya ba Congolais et Belé. Parce que ba zo kanita ke cour constitutionnelle et ça, okay. Ya Kabila. Alors, ba Congolais pe Belé ba lobi, par exemple, ba ta CENI, faut ba changer. Okay. Ba Congolais Belé ba lobi pe ke non, ma ramoussous na kati ya constitution, les mots pe président à l'obaki yango, le quoi la mode à désignation au gouvernement, faut ba changer. Yango pe bango ba zolo, parce que ma beza, pourquoi ba bango de ba lo bango? C'est que, ne konanga, yo kan si ko changer, ba ko changer, on ka boye, et tout tombe la misad, non. Moutou a za majorité partout, eza PPRD, yo nanga tu yi bien go, tu beti li solo ango banda kala. Ceux qui ont voté la loi dans l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, ont gagné la PPRD. Est-ce que tout le monde donc, PPRD n'a point de nous, mais il a point voté point moko boye. Il y a gagné pour aller qui est un avantage. Donc, PPRD, c'est une grande machine, Il y a marionnette à niveau beaucoup élevé. Donc, tout ce que le Félix doit faire, c'est quoi, Marius? A fongo la moutema, a tombo la peuple, a ba peuple bo sunganga, to benga la peuple de na mboka, oyo c'est tout. Comme ça, Félix a rejoint. Moi, comment qu'on a ça là? Mais ce qui a eu le courage, Ezali pananguba, oui. Pour l'instant, Marius. Okay. Tu vas si balembi loko wana ya PPRD et loko nini si la rate. Ozomona. Merci beaucoup Mathieu. Courage aib sa bana mboka ke bana mboka botelema boya makasi ya PPRD za Joseph Kabila. Merci. C'est tout. Merci Joseph beaucoup. Kabila ici li. Merci beaucoup hein, Torotala parce que tu obet ali solo la solution. Dissolution à parlement une année en Ngoye Koka. Tu obet ali solo mon émission moro spéciale. Merci beaucoup Mathieu. Nous allons partir en Grande-Bretagne cette fois-là pour prendre cet appel. Allô? Allô Marius, bonsoir, c'est Pascal. Pascal, bonsoir. Oui, je voulais intervenir par rapport à... Bien sûr, c'est pour ça que vous appelez, on vous écoute. Par rapport aux propositions du PPRD, je ne sais pas, je n'ai pas suivi, en tout cas vous allez m'excuser par rapport à ça, j'ai vu un article, mais ce n'est pas assez clair. Il semblerait qu'ils veulent le renouvellement des... Ils sont favorables à la révision de certains articles de la Constitution. Ils ne veulent pas les énumérer, mais ils pensent notamment, par exemple, au mode de choix des gouverneurs des provinces. Par exemple, ça les intéresse. Oui, mais c'est une... Si, c'est, si,
s'ils veulent changer le mode de désignation des gouverneurs, ça c'est une bonne chose parce que le président Félix lui-même en a parlé lors de son adresse au Congrès. Donc mais ça serait une bonne chose. Mais ce qui est étonnant ici, c'est que s'ils avaient dit ceci avant les élections, je ne pense pas qu'on dirait que c'est une bonne chose. Hein. Oui, mais le problème, c'est il faut savoir, il faut pas, c'est pourquoi il ne faut pas tout refuser parce que ça vient du PPRD. Non. Mmh. En politique, il faut savoir, profiter de, ou bien savoir exploiter les opportunités pour changer. Vous donner des chances de peut-être réussir ou bien changer la donne, quoi. Mm-hmm. Donc, il faut savoir, parce que le renouvellement, ça va permettre au président, par exemple, de voter, et pardon, de nommer 3 magistrats à la Cour constitutionnelle, même si on sait que dans le Parlement aussi va voter, qui est majoritaire, va en fait désigner, pardon, 3 magistrats. Le Parlement majoritaire, c'est vrai, mais ça peut changer quand même quelque chose. Donc, il faut pas toujours être pessimiste. La politique, c'est comme ça. Il faut savoir se battre, savoir quand il y a chercher des stratégies, comment contrer ce que veut les pièges de l'adversaire. C'est comme ça la politique. Mmh. Et c'est la personne qui dit par exemple, ah non, il faut chasser le PPRD. Non, ça c'est pas démocratique. Tu dois chasser le PPRD. C'est un parti politique. Est reconnu au Congo. C'est pas la solution de chasser le PPRD. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre point de vue. Nous allons prendre notre ami Alex, je crois. C'est Alex, oh là là. Ouais, Alex nous appelle depuis l'Autriche. Alex, bonsoir. Bonsoir, Marius. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Alex. Tozoka, Ondiko. Bon, ça n'engage que moi, c'est mon idée. D'abord, en tout cas, tout ce que vous direz dans cette émission n'engage que vous. Oui, donc cela veut dire que c'est pas parce que je suis influencé par un camp ou par des personnes ou par une personne. Mmh. Vous allez réfléchir bien pendant la carte sa tête, nana, tu vois. Okay. Donc, changement à la constitution, ils allient changement à la Bible. C'est le mot tout à fait légal, normal. Personnellement, moi, je trouve la constitution actuelle à RDC, ils en ont voir à papier mot, bah, salara, pour biso peto, le baguette, tout ça, la constitution, en fait. Mais, soro tali, dans le fond d'abord, constitution, na, soro solo, il n'a pas congolais, je parle des congolais, c'est pas Marius Munga, ou bien monsieur Pinto, je parle des congolais, tout le monde en a pas TV, partout, sur l'étendue du territoire, je sais pas s'ils maîtrisent même 1% de la constitution, na. Mmh. Or, déjà, pour Nangaï, il y a une rupture entre la Constitution et le peuple. Est-ce que cette Constitution est vraiment légitime au vrai sens du terme par rapport à la sociologie, la conscience du peuple? Moi, j'ai dit non. Parce qu'il y a l'andaba débat, il y a tout. Donc, il n'y a que les politiciens et quelques personnes instruites qui savent de quoi il s'agit. Et là, c'est un problème déjà. Alors, pour Nangaï, il y a Kabila, ou Tshisekedi, ou Jean-Pierre Bemba, Fayulu, n'importe qui a regardé la proposition de changement de constitution. Moi, personnellement, je dirais qu'ils ont opportunité. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ne sont pas légitimes. Tu vois? C'est ça le problème. Pouvoir, tant qu'ils ont une légitimité, la constitution a légitimité. Tu vois? Ils vont faire des amendements, des corrections pour avoir intérêt à Bango. En tant que politicien. Rien à voir n'a intérêt à peuple. Jamais au monde, il y a la loi Moroboué qui est la constitution, un salaire entre ministres et fonctionnaires, et que le salaire à un ministre cause à plus de 10 fois le salaire à fonctionnaires. Et là, j'insiste, Bato Balobara, comme M. Pinto, et beaucoup de juristes congolais, que Kabila a cru qu'on se représentait. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent comme ça. Parce que quand vous regardez la constitution américaine, il y a un président américain qui a fait 3 mandats. Et après l'Iwana, il y a quoi demander en gros, il lobby clairement la langue na bango que mutu akoki ko sa plus de 2 mandats consécutifs ou pas. Point là, on a il y a même pas débat. Mais na France sokoki na 2000, ba cela qui a changement. Et qui mandat est acquis de 5 ans, renouvelable 2 fois kaka
Jacques Chirac a été changé à réduire 5 ans, mais à fumer autant de fois qu'à Lingui. Sarkozy, en 2008, a été verrouillé. Bon, pas lui, mais justement, ce qu'on s'est verrouillé, c'est là, Maître Aoutkoloa tout à l'heure, que d'accord, bah, verrouillé en disant que consécutif ou pas, on a plus de deux mandats. C'est clair. Donc, voilà. Donc, notre constitution n'est pas claire sur certains points. Moi, je prône le changement de la constitution, mais je nuance avec un grand mais. Il faut aller par un pouvoir légitime qui vraiment a le souci du peuple. Voilà ce que moi j'ai pas pensé. Mais Ndeko Alex, le fait que PPRD a zolo bama kambo moro lelo oyo oyo ceux qui balo bayi ango lobby peut-être tonga tous ango ndenge moko te. Osez expliquer ango ndenge. Mais c'est le même PPRD, il y a rien qui a changé. Naif Sakibino qui avant élection égale après élection, yo mozo mona il y a rien qui a changé. Tant que combat banda qui biso to banda combatte pour Moïse Katumbi azonga na mboka parce qu'au moment il était avec le PPRD. Donc PPRD wana ezaka le même PPRD. Bazaka na allégeance na monsieur Kabila, ils sont mal intentionnés, donc c'est pas parce que eux ils changent de discours, bazora pe ba discours ba ibara mael la bat. Misus. Bazaka ah bon, ils a bien tout mis en ça populisme. Rien à voir. Moi je regarde pas le discours, j'essaie de voir qui prononce ce discours, quel est son passé, quelles sont ses compétences. Voilà, un beau discours, tout le monde peut l'avoir. Merci. Merci de quoi, Alex, pour notre intervention. Je te souhaite une bonne soirée. Na Autriche. Alors, je vous rappelle que Lélo, on a troisième partie à émission Nabisso. Tant que tu as bientôt la troisième partie à émission Nabisso pour la récolte de fonds, pour nous soutenir émission Nabisso. Ndeko Evacal a tient à disposition Nabisso le double de Europe. De son OPC $10, Lélo, il y a OPC 20. Son OPC 50, OPC 100. Sur OPC 100, APC 200, sur OPC 200, APC 300, jusqu'à ce que Toko Kukisa, montant aux en ont besoin. J'espère que Borozala est belé pour nous en sorte que tout motivé, APC le double pour que Toko Kukisa objectif Nabisso le plus vite possible. Entre temps, nous allons partir en Afrique du Sud pour prendre notre ami Aaron Sony. Bonsoir Aaron Sony. Bonsoir Monsieur Marus, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ouais, ça va, on est là. Très bien, on vous écoute. Avant même de, avant de commencer, j'ai suivi M. Pinto qui parlait de l'accord UDPS-UNC de Camere, qui Félix fera un mandat. J'ai vu quelque chose sur Internet aujourd'hui, c'est les gens de l'UDPS, j'ai beaucoup rigolé. Il y a une personne qui a dit l'accord de Nairobi et Silaka, Mukolo Camere, Nimaka, comme administratif, il y a Félix. Une autre personne. Une autre personne qui a dit Esilaka Mukola Dista qu'il doit se remarier. Bon, ça c'est juste. Les fanatiques, tu sais, c'est compliqué d'être logique avec les fanatiques, tu sais ça. Que ce soit mes fanatiques ou les tiens, ou ceux de Werrason, ou de JB, de Félix Tshisekedi, ou de Martin Fayoulou. Donc, un fanatique, tu peux pas lui dire. Tu peux pas. Ouais. Tu sais, j'ai géré à un moment des fanatiques où, tu vois, j'essaie de faire comprendre aux gens que, hein, je donne un exemple. Par exemple, le débat au Kino. Werrason a un succès. Werrason a un grand chanteur, tu hein, par exemple. Après, au Kapenado, fanatique à Werrason Bunda, Rocha Ombeli. Parce que, as a fanatique. Et comme en politique, il existe des fanatiques. Et tout ce qu'un fanatique dit, il faut prendre ça avec beaucoup de, hein, qu'on comprenne des gars fanatiques. Avec, voilà. Avec quoi? Avec des pincettes, comme on dit. Il faut qu'on soit un gars fanatique. 90% des chances, c'est ça que fanatisme, c'est ça la Kati, au lieu d'objectivité. Voilà. Alors, si on peut continuer. Ouais. Bon. À part ça, mon opinion, elle est que c'est comme M. Alex a dit, notre constitution, elle n'est pas complète. Bon. Et ça, c'est dans le sens qu'il faut une nouvelle constitution, mais je me rends compte que il faut l'enrichir avec d'autres articles et puis certains articles qu'il faut modifier. Il y a des, comment on dit encore, des lois organiques qui doivent naître de là et puis ouais, c'est ça ce que je crois qu'on doit faire. Mais maintenant, par rapport à la position du PPRD, ça me surprend parce que Macambonios, la plupart des Macambonios sont au Chadar et à Zoloba, c'est ça ce que l'opposition avait toujours réclamé depuis longtemps. Donc la question que moi je me pose maintenant, est-ce que, comme il est à niveau haut, ils se rendent compte qu'ils se résignent à
garder le Parlement parce que le Parlement leur assure, disons, la survie pendant ces temps ici que Bakotina Moulongo pour faire plaisir à Félix. Soit c'est une manœuvre de diversion comme il y a, disons, cette affaire-là qui est un peu difficile à comprendre. On parle du président qui peut dissoudre le Parlement et qu'il est déjà à une année de cela. Ouais, la dissolution du Parlement, justement, on en parlera dans cette émission, dans une émission spéciale. On est en train de travailler dessus. Oui, allez-y. Ou peut-être c'est encore un mécanisme de quoi? Donnant-donnant. Donc, au lieu de faire la guerre à l'UDPS, Tokotikaka, Namulongo, et puis on espère que, peut-être qu'ils ont déjà discuté pour dire qu'on espère qu'il va nous donner en retour ça. Donc, c'est la politique qui a encore ce côté obscur-là qu'on ne connaît pas, mais du côté du FCC pratiquement, c'est comme un revirement que moi, je trouve un peu que j'ai du mal à comprendre. Mais quelque part, comme c'est la démocratie, ils ont le Parlement, ça représente en d'autres termes que nous sommes dans une politique de quoi? C'est la résultante, disons, résultante de deux forces là qui va définir la direction. C'est juste ça. Monsieur Sonny Aron, merci pour votre intervention. Ouais, je vous souhaite une bonne... J'aime bien te tutoyer. Ouais. Je te souhaite une bonne soirée en Afrique du Sud. Ok, merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors, on va prendre un autre appel. Vous êtes très nombreux à vouloir intervenir. Dans 8 minutes, nous allons passer à la troisième partie de cette émission qui concerne donc les récoltes de fonds. Entre-temps, vous êtes très nombreux à vouloir intervenir et je suis curieux de savoir donc ce que vous pensez. Sachez qu'aujourd'hui, quel que soit ce que vous donnez, il sera doublé par Monsieur Evacal et j'espère que vous serez nombreux à le motiver. À motiver à ce qu'il puisse doubler ce qu'il peut nous donner. Nous allons prendre un appel qui vient des États-Unis, je crois. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Marius, comment ça va? Ça va très bien. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Oh, c'est Patrick Bouzira. Patrick? Bouzira. Monsieur Bouzira. Patrick, on vous écoute. Ok, je suis vraiment très intéressé par le sujet du jour. Je crois que ce que le PPRD est en train de faire, il est en train de le faire sous des calculs. Pourquoi je le dis? Le PPRD sait correctement comment est-ce qu'on peut accéder dans notre pays, par exemple, au pouvoir à une fois. Et maintenant qu'ils n'ont pas beaucoup de leviers, et qu'ils ont peut-être 6 comme levier, alors, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de renforcer au niveau des institutions, de loi de la République, à ce qu'ils puissent peser. Puisque, au finish, tout ce qu'ils sont en train de faire, si on est dans la configuration actuelle, le PPRD finira toujours par remporter. Et le deuxième point, c'est celui en rapport avec le mode de désignation, par exemple, de gouverneur. Pour moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec la façon que le gouverneur soit élu à suffrage universel direct, bon, pas de province. C'est quoi la raison? Ça serait très coûteux inutilement. Ça serait très coûteux inutilement pour la République. Je crois que le mode que nous avons, le mode est correct. Il suffit seulement que les gens soient consciencieux et responsables. Je vais vous donner un exemple. Le président de la République est voté à suffrage universel direct. Et maintenant, là, les problèmes que nous avons au pays, ce n'est pas dû au fait que la population peut-être n'a pas voté pour ou contre, mais si ce que nous vivons présentement est arrivé, c'est parce qu'on n'a pas suivi la volonté du peuple. Donc, on peut utiliser le suffrage universel direct, mais si nous ne suivons pas la volonté du peuple, on finira toujours par tomber dans le problème terrible. Renforçons nos lois. Je crois même pour la Constitution. Même la Constitution des États-Unis de la France ne sont pas des constitutions. À la Constitution, je ne suis pas un spécialiste. Merci beaucoup, Patrick. Je peux terminer un peu. Allez-y, rapidement, s'il vous plaît. Mais je crois qu'à la Constitution, on ajoute toujours des lois. Je crois que ça complète les vides que nous avons dans la Constitution. Merci beaucoup.
Merci Patrick et bonne soirée à vous. Merci d'avoir appelé. Nous allons prendre encore quelques appels. Nous avons encore 5 minutes à passer ensemble. Parole à Monsieur Julio qui nous appelle depuis la France. Monsieur Julio, ça va? Oui, ça va Mario, c'est toi? Ça va? Et le mur, il va bien? Oui, le mur, il va très bien. Il va très bien. Des débats, des gens, il y a des échanges vraiment intéressants. Alors, le mur va très très bien. Alors, Monsieur Julio, aujourd'hui, j'en profite réellement pour saluer Monsieur Pinto, Alex, l'enfant mystique, Caria Gouveia, Sandra Lifino, omniprésente. Sandra. Hein, donc, Sandra Lifino. Voilà. Sandra, t'as 10. Alors, il y a aujourd'hui, alors, aujourd'hui, il y a Monsieur Evacal, tu sais ça, Monsieur Julio, oui. qui va doubler la mise de tout le monde. Mm-hmm. Mm-hmm. Ça, c'est une opportunité alors, pour finir le. Bonjour. Vraiment. Ah, bonjour, alors, c'est qui parle? Bonjour. C'est ma fille. Non, attends, papa est au téléphone, ma chérie. Elle s'appelle comment? Je t'appelle après, ok? Elle s'appelle Eunice. Elle veut dire bonjour. Miss, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Luna. Luna. Luna, comme la lune. Voilà. Bonsoir, Luna. Bonjour. Ça va, Luna? Vas-y. Allô? Ça va, Luna? Tu vas bien? Allô? Bonjour Luna. Bisous. Bye bye. Elle est gentille Luna. Merci voilà. Monsieur Julio de me permettre de parler avec votre fille. Ouais. Donc, Monsieur Vacal va doubler ça. Ouais. Mm-hmm. Tout à l'heure, c'est une bonne nouvelle. Alors moi, j'aimerais aussi proposer à Monsieur Vacal le jour que moi je ferai ma cotisation. Comme tu le sais, je ne me prononce pas, j'aime pas vraiment. Oui. Qui puisse doubler ça. Mais voilà, exactement. Non, oui, mais ça. Après, yo, on voit bien ça, Nassima. Bon, ça va, problème, Zati. Alors, déjà, Monsieur Laurent, un fidèle téléspectateur, on a besoin Benga Abisso depuis Congo. Exactement. Monsieur Laurent a contribué pour le projet Nabisso à $300. Donc, comme il a 1350 dollars déjà, par rapport à l'objectif Nabisso. Donc, mm-hmm. Monsieur Laurent a payé Nabisso $300 par Western Union, d'ailleurs, on a toujours monté. Donc, c'est qui, merci beaucoup à Monsieur Laurent et sa femme pour leur soutien à cette émission. Voilà. Merci à eux, vraiment. Ouais. Alors, mon opinion serait que la Constitution, c'est vrai, elle a besoin d'être révisée, mais. Révision dans la ligne et les cas après avoir après la dissolution du Parlement. Mmh. Pourquoi je préfère de cette façon-là? Parce qu'en ce moment où le FCC est majoritaire dans ce Parlement, Bazali n'a possibilité, n'est-ce pas, il y a qu'au tailler constitution en la façon où le Bango Bazali peut projeter avenir. Il y a avenir na Bango. Donc, s'il faut réviser la Constitution, et ça là, après. Aussi. Après, Nini, après quoi? Après dissolution, il y a Parlement. Ok. Voilà. Alors, aussi, par contre, sa possibilité, on a, disons, article, on a que toute révision constitutionnelle doit être endossée par le souverain primaire. C'est-à-dire le peuple. Mais ils allaient en ligne, tout ça, là, tout ça, là, qui ont été derniers. Mais ils allaient en ligne, Maître Aouda, écoute, expliquez-moi tout à l'heure. Nathan, on va s'agir révision au référendum, mais ça, qui? Maître Aouda, écoute, expliquez-moi tout à l'heure, pour Anissa les Magité et procédure, réseau Singanengé. Ah, peut-être Nazaki d'Israël. Ouais. Mais en tout cas, Wana, il le faut, ils allaient en Donc, peuple, il faut partir, n'a pas été, auquel n'est la campagne n'a marqué, il explique, pour et contre, il y a révision, machin, tout ça, et puis le peuple va endosser. D'accord. Après, le président pourra promulguer. Voilà. Merci, donc, monsieur Julio. On va prendre le dernier appel de l'émission avant de commencer notre collecte de fonds. Et puis, on s'appelle tout à l'heure avec vous, avant l'émission, pour me dire le montant que monsieur Vacal va doubler. Voilà. Au revoir. Okay. Voilà. Alors, nous allons prendre le tout dernier appel de l'émission d'aujourd'hui avant de passer à la dernière partie de cette émission.
Si vous désirez attendre la dernière partie de cette émission, nous serons contents de vous avoir et de vous voir participer à notre projet, celui d'atteindre les 2 500 $ dont nous avons besoin d'ici la fin de ce mois. Aujourd'hui, c'est un jour important parce qu'il y a eu quelqu'un qui est là, qui dit « vous donnez, je donne le double ». Alors, nous espérons que vous allez être là pour que nous puissions avoir le double promis. Nous allons revenir sur ce communiqué nécrologique. Donc, il y en a deux. Celui-ci, il s'agit donc de la mort de la de oh là là, je dois chercher le texte qui va avec ce communiqué pour ne pas me tromper. Alors, donc, il s'agit donc de les enfants, petits-enfants, les frères et amis de maman Brigitte Nyota Jawasi ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur maman survenue le samedi 4 janvier 2020 à Indianapolis aux États-Unis d'Amérique. Pour le moment, le deuil se tient sur 13905 Castor Boulevard, appartement numéro 32 à Silver Spring, Maryland. Entre-temps, voici comment se présente le programme de ce deuil. Nous en profitons d'ailleurs pour présenter toutes nos condoléances à notre ami JP Kalonji, donc de la famille qui vient de perdre. Donc, le programme des deuils, les funérailles, ce sera donc le vendredi 17 janvier, l'exposition du corps. Et c'est, voilà, vous avez toutes les informations. Difficile de lire et de faire en même temps ce que je veux. Et nous présentons donc toutes nos condoléances à la famille éprouvée. Et si vous voulez contacter la famille, si vous êtes dans la région et que vous voulez les contacter, voici le numéro de téléphone par lequel vous pouvez les contacter pour avoir plus de détails sur les programmes de deuil. Donc notre ami JP Kalonji, c'est le 240-605-75-76. Voilà. Et puis un autre deuil, c'est celui donc de Monsieur Gilbert Mundela Chimanga, qui était donc le conseiller personnel du président de la République, dont le corps est arrivé à Washington, qui est décédé au Kenya, dont le corps est arrivé ici à Washington D.C. Vous avez là le programme des deuils et l'inhumation donc aura lieu demain samedi. Toutes nos condoléances aussi à la famille éprouvée. Voilà. Nous allons donc revenir. Ça sert aussi à ça, hein, une télévision communautaire. C'est pour rendre service à la communauté. Et voilà. Alors, nous allons maintenant passer à la troisième partie de cette émission qui est donc la récolte de fonds. Et le moment que nous attendions est arrivé. Vous avez été très nombreux à intervenir sur l'émission. Maintenant, soutenons notre émission à avoir ce dont nous avons besoin. 2 500 $, c'est notre objectif, pas du jour, final, mais nous en avons déjà autour de 1150. Nous remercions Monsieur Ibrahim Kalemba qui nous envoie 100 $ par Cash App. Voilà, c'est une application aux États-Unis par laquelle on peut envoyer l'argent. Donc, si nous avons encore les 100 $, ça veut dire que nous sommes déjà à 1 400 $. Merci beaucoup, notre ami Ibrahim Kalemba, qui est ici à Maryland, pour votre contribution. Merci beaucoup. Alors, nous remercions également notre ami Monsieur Laurent, qui est un fidèle téléspectateur de cette émission depuis la République démocratique du Congo. Monsieur Laurent et sa femme soutiennent cette émission et ils nous ont envoyé leur contribution de 300 $. Alors, Sandra Lifino, Monsieur Laurent Alobi, le coup là, il y a Tindagi 300, il y a OYP à Tindi 300 pour l'Axao Kaza, plus soutien, il y a émission. Il y en a Ebozan Dengemorona, Kulinga, émission. Merci beaucoup pour votre soutien dans cette émission et pour ce projet. Et nous espérons y arriver. L'émission d'aujourd'hui, si vous nous aidez, il y aura quelqu'un qui va doubler votre mise. C'est ce que monsieur Evacal, qui est au fait un grand donateur, à chaque fois que nous avons des projets financiers dans cette émission, à nous soutenir. Et il m'a appelé pour me dire, écoute Marius, j'espère que ce projet va aboutir. Voici ce que je propose.
Je pense que si quelqu'un propose comme ça, nous devons profiter de cette occasion pour avoir le maximum possible que nous pouvons avoir. Raison pour laquelle je vous propose de contribuer et voir si Monsieur Evakal va doubler comme il a promis. Je pense que c'est un homme de parole. Il le fait d'ailleurs sans... Et vous pouvez le faire par YouTube en envoyant votre contribution sur notre page de discussion de YouTube. Alors, qui va ouvrir en premier pour voir comment est-ce que nous allons arriver au montant du jour? C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas voulu dire notre objectif du jour. Peut-être qu'on va voir comment ça va aller. Alors, si vous désirez nous envoyer par YouTube... Pour certains, vous connaissez comment faire. Et si vous ne le savez pas, voici comment vous pouvez participer. En bas de l'écran, ici, où vous pouvez écrire quand vous voulez chatter, quand vous voulez commenter dans l'émission, il y a un signe de dollar juste à droite. Quand vous appuyez sur ce signe de dollar, il va avoir Super Chat qui va apparaître là. Et quand vous appuyez sur Super Chat, il va vous donner, vous appuyez sur le signe de dollar, et puis vous appuyez sur Super Chat. Quand vous appuyez sur Super Chat, il y a cet écran-là qui apparaît. Quand cet écran apparaît, il y a un montant, je crois, de 1,99$. Alors, ça, c'est le montant que vous pouvez donner. Vous pouvez aller jusqu'à 100$. Pour commencer, vous pouvez appuyer sur le bouton bleu. Et quand vous appuyez sur le bouton bleu, et que vous avancez, vous allez voir que le montant au-dessus change en même temps que la couleur. Voilà, jusqu'à 100$. Et vous choisirez, vous pouvez bouger et choisir le montant que vous désirez envoyer. Et une fois que vous aurez choisi, vous appuyez sur le bleu. Et quand vous appuyez sur le bleu, ça va vous envoyer sur une page sur laquelle vous pouvez mettre vos informations bancaires. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas voir ça, c'est YouTube qui gère ça. Et c'est très, très sécurisé. Et vous pouvez mettre vos informations bancaires et nous envoyer donc le montant que vous désirez nous envoyer dans cette émission Marius chez vous. Et nous espérons ainsi atteindre l'objectif de cette campagne. Alors, qui va commencer? On va voir qui va commencer. Et puis, nous allons voir si nous aurons l'opportunité d'avoir... C'est que Monsieur Evakal nous propose aujourd'hui de doubler la mise de tous ceux qui vont contribuer, excusez-moi, dans l'émission d'aujourd'hui. Si vous pensez que vous voulez contribuer, c'est une occasion, quel que soit le montant, et ce montant sera doublé par Monsieur Evakal. Alors, qui sera le premier à ouvrir le bal pour se faire doubler la mise? Je suis curieux de voir s'il y aura quelqu'un qui c'est possible, hein, qui pourra donner 100. Voilà. Chikmal, 20 francs suisses. Chikmal, merci beaucoup pour les 20 francs suisses. Vous êtes le tout premier à commencer à intervenir, à nous donner ce que vous avez. Malheureusement, on a un petit souci là. Ça marche pas encore très bien d'afficher. Alors, 20 francs suisses, c'est, je crois que c'est combien? 15$? 20? Je vais pas trop spéculer, mais je pense que ça doit être 15$. Ça, c'est pour monsieur. C'est pour monsieur Evakal. Je pense que c'est entre 10 et 15$ par là. Et monsieur, merci beaucoup. Monsieur Chikmal pour les 20 francs suisses que vous nous avez envoyés. Merci beaucoup et nous espérons que Monsieur Evakal va matcher votre apport dans cette émission Marius chez vous d'aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part Monsieur Chikmal. Pour votre contribution. Alors, qui d'autre, si vous désirez intervenir, merci beaucoup. C'est plus de 15$, mon frère Marius, dit Dadi Moussimani Mamala. C'est plus de 15$? Ok. Alors, si vous avez des calculs, faites-le et dites-nous le taux du jour, comme ça, parce qu'on réfléchit en dollars, au lieu de spéculer. Merci beaucoup. Chikmal, quel que soit le montant, vous savez que le plus important, c'est que vous nous donnez. Voilà, c'est le geste.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le plus important, c'est le geste, c'est pas le montant, même si nous voulons que le montant soit intéressant. Voilà. Donc, 20 francs suisses qui sont égaux, enfin, qui équivalent, c'est mieux. Parce que, français, qui équivalent à, je sais pas, 20 dollars selon notre ami. Dites-nous, aidez-nous donc à atteindre l'objectif du jour. Nous allons essayer de voir avec Monsieur Evacal si cette mise va être doublée comme promis. Nous allons prendre voilà, aidez-nous à atteindre l'objectif de ce programme et d'avoir le montant dont nous avons besoin pour atteindre notre objectif de 2500 dollars d'ici là. Et j'espère bien que tout à l'heure, Monsieur Evacal va devoir doubler cette mise de notre ami qui, en ce moment, nous a déjà envoyé 20 francs suisses. Donc, quelqu'un me dit, Carla Bruni, c'est la femme de Sarkozy qui est là ou quoi? Ok, Carla Bruni nous dit que c'est 20 francs suisses équivalent à 20 dollars américains. Alors, on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Iyenga. Alors, nous sommes le président. Je suis Arnio Kalonga. Moi, je suis à Koli. Non, moi, je suis à Kolanga. Il faut dire aussi. Kanisa Katangwani Kambusu Kirikwe. Yo Kolela Pozu Alisalisio. Nekomi a Kolukae. Voilà, 20 francs suisses équivalent à 20 dollars selon vos estimations, parce que vous l'avez essayé, donc je vous crois. Et nous allons voir ce que ça va donner. Alors, vous donnez, Monsieur Evacal, double la mise. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure, et n'hésitez pas de nous aider à atteindre l'objectif du jour. Nous en sommes déjà. Nous remercions notre ami Laurent depuis la RDC qui, lui, nous a envoyé les 300 dollars américain. Et notre ami Chic Mal qui, lui, nous a envoyé 20 dollars américains. Monsieur Evacal, voilà, qui répond directement. Voilà, 20 dollars américains quand Monsieur Evacal vient d'envoyer donc le 20 dollars comme promis. Voilà. Il a donné la même chose. 20 dollars, vous donnez 20 dollars, il donne 20 dollars. Vous donnez 100 dollars, il donne 100 dollars. Vous donnez 50 dollars, il ajoute 50 dollars. Alors, déjà, là, on voit qu'il vient donc de... Monsieur Evacal déjà vient de réagir avec 20 dollars américains déjà. 20 dollars américains par rapport à ce que notre ami a donné tout à l'heure. Alors, votre intervention, voilà, 20 dollars de la part de Monsieur Evacal. Merci beaucoup. Merci. Si vous donnez 100, il donne 100. Si vous donnez 50, il donne 50. Et si vous donnez, voilà. Comme ça, nous pourrions motiver d'autres amis qui veulent aussi donner pour atteindre
l'objectif du jour. Je disais donc un grand merci à M. Evakal pour cette motivation de vouloir nous soutenir. Et merci à M. Laurent et sa femme pour les 300 dollars de leur contribution pour l'émission d'aujourd'hui. Nous remercions également notre ami Ibrahim Kalemba pour les 100 dollars américains qu'il nous envoie aujourd'hui pour comme contribution à cette campagne. Nous continuons. Alors, qui d'autre? Qui d'autre peut nous aider à doubler la mise de l'émission d'aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez, est-ce qu'on peut arriver à un montant? Oui, c'est vrai que des fois, il faut avoir l'objectif du jour, mais quand j'ai déjà eu ce que j'ai eu de M. Laurent, je pense que M. Laurent nous a beaucoup aidé et que je pense qu'avec M. Evakal, nous pouvons avoir plus des contributions vu qu'il veut donner la même chose que c'est que la personne donne pour doubler la mise du jour. D'ailleurs, il vient de le faire pour notre ami qui vient d'envoyer 20 francs suisses. Il a envoyé 20 dollars. Qui sera la prochaine personne à intervenir, à contribuer pour doubler notre mise du jour? Merci beaucoup à vous tous que vous soyez là en train de suivre. Je sais que beaucoup d'entre vous nous suivent, mais ont la volonté d'aider, mais ils ne peuvent pas. Ne vous sentez pas dérangé pour ça. Nous comprenons tout à fait. Et si, comme d'autres amis, vous avez les moyens de le faire, en tout cas, n'hésitez pas, parce que ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble à passer ce moment dans cette émission, Marius, chez vous. Alors, qui est le suivant? Anissé Pungi, Maimona. Quand elle était à 2000. Non, Anissé, il faut d'abord y opé ça 10, après opé ça 20. Si opé ça 2000, opé ça 4000. Enfin, 2000 les athées, mais Tokoki boye facilement, petit à petit. Koko Kisa, objectif Nabiso, ya Mokolo, ya Lilo. Donc, faites-nous savoir si vous désirez bien nous aider à avoir ce dont nous avons besoin pour la réalisation de notre projet du jour. Il nous reste encore 17 minutes pour terminer cette émission et nous espérons encore avoir un peu plus aujourd'hui parce que nous en sommes que à 40 dollars, donc 20 dollars doublés par la mise de Monsieur Evakal dans l'émission d'aujourd'hui. Alors, faites-nous savoir si vous pouvez, notre ami Théo Ngoutou, pourquoi demander l'argent? Notre ami Théo, nous avons expliqué ceci. Nous sommes en train d'améliorer la qualité de la production que nous vous proposons. Nous nous sentons limités de le faire. Raison pour laquelle nous avons demandé votre soutien pour le faire. Et voilà pourquoi on demande. Nous avons besoin de 2500 pour faire ce que nous voulons. Nous avons déjà réussi à avoir 1500 dollars presque pour ce projet. Donc, il nous reste encore 1000 dollars et nous espérons y arriver d'ici la fin du mois de janvier. Voilà. C'est notre objectif. Et si vous pouvez c'est votre droit, hein, parce que vous êtes un téléspectateur que je vous explique. C'est vraiment votre droit et j'apprécie beaucoup votre question. Peut-être qu'il y a des gens comme vous qui n'étaient pas là aux premières émissions, qui veulent bien savoir le pourquoi. Je vous ai présenté donc ce matériel de production que nous voulons acheter. Je vous le demande, c'est pas une obligation. Si vous pouvez nous aider donc à l'avoir. Alors, qui d'autre? Merci, cher Théo. J'espère que nous avons répondu à votre préoccupation. Nous allons donc, nous avons encore quelques minutes, 15 minutes à passer ensemble pour savoir si vous pouvez nous aider à avoir ce dont nous avons besoin. Et nous avons quelqu'un qui veut ajouter. Si vous pouvez, aidez-nous, aidez-le à ajouter ce dont nous avons besoin. Comme ça, on peut avoir le double. Je sais que nous allons peut-être avoir un peu plus que 40 dollars. Alors, je vais voir si nous donnons 200 dollars, donc M. Evakal va donner 400. En 10 minutes, c'est peut-être pas possible, non. Alors, on va essayer 100 dollars pour voir si on va avoir 200 dollars.
Alors, 100 dollars pour l'émission d'aujourd'hui? Juste 100 dollars? Pour voir si monsieur... pas pour voir si. Comme ça, monsieur Vacal va donner les 100 autres. Comme ça, on pourra être autour de 250 dollars pour l'émission d'aujourd'hui. Nous avons besoin de vos 100 dollars américains. Aidez-nous à les avoir. Et nous pouvons y arriver. Voilà. 100 dollars. Comme ça, on peut avoir 200 dollars. Parce qu'il nous restait 10 minutes pour finir l'émission d'aujourd'hui. Aidez-nous à les avoir. Voici comment vous pouvez faire, si vous ne le savez pas, par YouTube, pour nous envoyer. C'est seulement pour les amis qui suivent par ordinateur ou portable. Si vous suivez à la télé, ce ne sera pas possible. Ici en bas, quand vous chattez, quand vous commentez sur YouTube, à droite, vous allez voir qu'il y a un signe de dollar. Quand vous appuyez sur ce signe de dollar, il va y avoir deux écrits, super sticker et super chat. Vous appuyez sur super chat, vous allez voir apparaître cet écran là, comme ça. Et sur cet écran, en bas, il y a un bouton bleu. Si vous appuyez sur ce bouton bleu et que vous avancez, vous allez voir que le montant et la couleur au-dessus changent. Et vous allez jusqu'au montant que vous désirez envoyer. Une fois que vous trouvez le montant, c'est jusqu'à 100 dollars. Vous appuyez sur acheter et envoyer. Et quand vous arrivez là, il va vous donner un endroit où vous pouvez mettre vos coordonnées bancaires et vous pouvez donc nous envoyer le montant que vous choisirez donc de nous envoyer. Jérémy Moutipaï dit que chez lui, le chat ne s'affiche pas. Je ne sais pas, Jérémy, peut-être que c'est un problème de pays dans lequel vous vivez ou ça ne vous permet pas de le faire. C'est une possibilité. Il y a des pays qui sont... pas éligible à cette option. Et peut-être que le pays dans lequel vous êtes ne vous donne pas cette option. Alors, merci de... On attend. Il nous reste encore 8 minutes. 10 minutes. 8 minutes à passer ensemble avant de nous quitter dans l'émission d'aujourd'hui. Et puis, après, nous allons voir si nous pourrions avoir l'opportunité d'atteindre l'objectif du jour, ou plutôt l'objectif que nous avons pour notre collecte de fonds. Je suis convaincu qu'on peut arriver si aujourd'hui nous avons 100 dollars. Voilà, merci beaucoup. Oh là là, notre ami Chic Mal, encore vous. Merci beaucoup. Chic Mal nous envoie encore 20 dollars, donc 20 francs suisses. Merci beaucoup, hein, Chic. Merci Chic pour les 20 francs suisses et qui vont être sûrement doublés par, enfin qui vont être matchés par Monsieur Evacal. Monsieur Chic, merci beaucoup pour les 20 francs suisses qui équivalent à 20 dollars américains. Donc il nous reste 80 dollars pour voir si nous pouvons arriver à l'objectif dans les 7 minutes qui suivent. Merci beaucoup, merci beaucoup. Monsieur Chic Mal pour vos 20 francs suisses. Merci, merci beaucoup. Et Monsieur Evacal, voilà. Monsieur Evacal a matché votre don. Merci beaucoup, Monsieur Evacal, pour. Il est très actif, Monsieur Evacal. Et merci beaucoup. Merci beaucoup de matcher l'offre du jour de 20 dollars encore. Alors, 80 dollars pour matcher. Donc, Monsieur Evacal, donc les amis Koloya Chic Mal, na Monsieur Evacal, bangomi balé, mais ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez également vous joindre à eux pour atteindre l'objectif du jour aujourd'hui. Peut-être 80 dollars qui nous restent pour les matcher à 160 dollars. C'est une possibilité. Peut-être que nous pourrions les atteindre. Et nous attendons donc votre contribution faite comme Monsieur Evacal et Monsieur et notre ami Chic Mal pour leur contribution aujourd'hui dans cette émission Marius chez vous. Nous avions quand même la chance de matcher
de matcher. Imaginez que c'était les jours où on a les 300 dollars d'objectif, dont on en aurait eu 600 aujourd'hui. Il nous reste 5 minutes avant de nous quitter et nous espérons toujours que nous pouvons avoir ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Votre contribution nous permettra donc d'améliorer la qualité technique de ce que nous vous proposons. Alors, qui d'autre aujourd'hui, dans l'émission d'aujourd'hui, peut nous aider à le faire? Deko Modi Maidino Mukandila Otiango. Ok, ça c'est une discussion sur le mur que je ne maîtrise pas. Alors, donc il s'agit de quelqu'un qui a donné 50 dollars. On peut donner 50 dollars que par la façon à laquelle je vous ai proposé. Donc, tout en remerciant tous nos amis qui nous aident aujourd'hui, nous les remercions, Monsieur Chikmal, Monsieur Evacal, Monsieur Laurent et Monsieur Ibrahim Kalemba. Merci beaucoup pour votre contribution. Alors, Monsieur Maidino Mukandila, le gros là, au comico ça quand on a mur na biso et sa gentilité. Donc, quand tu es bloqué au moins mouqué, comme ça, au salon balassima. Merci beaucoup. Parce que, ils ont un sérieux, tout ça, on a posé un moteur au distrait de sauter. Alors, soit ils ont une distraction, tu es obligé, malheureusement, de bloqué. J'espère que tu es bombé, tu es bombé au caca, ou réagir en balassima pour aller l'eau. Le gros au distrait, si on a 50 euros dans le couta, moyen tu. Totikayo Ezate. Voilà. Alors, nous allons nous quitter dans 3 minutes. Est-ce qu'on peut avoir les 80 dollars en 3 minutes pour les matcher? 3 minutes pour les matcher avant de nous quitter dans cette émission. Sinon, nous avons reçu dans l'émission d'aujourd'hui 80 dollars. Plus 300 dollars, ça fait 380 dollars, plus 100 dollars, ça fait 480 dollars. C'est le montant que nous avons eu aujourd'hui qui nous rapproche petit à petit de notre objectif du mois avant la fin du mois de janvier. Et nous espérons donc y arriver. 2 minutes nous séparent de l'objectif. En 2 minutes, est-ce qu'on peut avoir ça? Oui, c'est possible. Hein. Faut jamais perdre espoir. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Si ça n'arrive pas, c'est pas grave, mais on garde quand même espoir. 80 dollars nous séparent donc de l'objectif du jour, de l'objectif que nous nous sommes assignés. Et 2 minutes nous séparent de la fin de notre objectif du jour. Et nous espérons donc que nous allons y arriver encore en 2 minutes. Oui, 2 minutes encore. Et sinon, voilà. Chikmal, encore. Merci Chikmal. Chikmal, Aromeka et Vakal. Chikmal nous envoie encore 10 francs suisses. Hein. Donc au total, aujourd'hui, vous nous avez envoyé 50 francs suisses. Chikmal, merci beaucoup. Hein. Merci, merci, merci énormément d'avoir motivé notre mur. Merci d'avoir été là pour donner aujourd'hui, cher Chikmal. C'est vraiment très gentil de votre part de contribuer à ce que nous puissions. Evacal réplique avec 10 dollars. Il nous reste 1 minute. 60 dollars nous reste dans 1 minute. Est-ce qu'on va y arriver? Voilà. Donc, Monsieur Evacal réplique avec les 9 dollars. Donc, c'est comme pour matcher, c'est que Monsieur Chic a donné. Donc, 10 dollars. 10 dollars. Voilà. 10 dollars pour de la part de Monsieur Evacal. Et en 1 minute, il nous reste 1 minute, l'objectif du jour sera-t-il atteint? Oui, non, non, non. Non, est-ce que, jusqu'en dernière minute, je vous ai dit, il faut y croire. Voilà, voilà.
Non, l'objectif n'a pas été atteint. Ce n'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Mais nous avons eu beaucoup aujourd'hui et nous remercions particulièrement dans l'émission d'aujourd'hui Monsieur Chic Mal et Monsieur Evacal pour surtout Monsieur Evacal pour avoir matché. C'est que notre ami Chic Mal a donné aujourd'hui. Remerciement particulier à notre ami Laurent depuis la RDC qui lui a contribué par Western Union à $300. Et nous remercions aussi notre ami Ibrahim Kalemba avec $100 américains. Donc, ce qui veut dire que nous avons aujourd'hui atteint... Monsieur Evacal vient de nous envoyer $100 pour clôturer. Voilà, l'objectif est atteint quand même. Monsieur Evacal, merci beaucoup. Votre générosité commence à nous déranger parce que vous... Je vais dire aux amis qui nous regardent qu'on ne se connaît pas. On ne s'est jamais rencontrés. On s'est parlé hier, notamment sur votre souci, notre souci de faire ce que nous voulons et votre volonté de contribuer à doubler les mises des gens d'aujourd'hui. Monsieur Evacal, merci beaucoup, beaucoup pour cette contribution encore de $100 qui va clôturer cette émission d'aujourd'hui, qui va nous permettre donc d'atteindre notre objectif du jour. Je pense que nous sommes déjà, nous allons y arriver, avec Monsieur Evacal, avec notre ami Chic Mal, nous pouvons y arriver parce que nous avons déjà récolté suffisamment jusque-là pour atteindre l'objectif à la fin du mois. Merci encore, Monsieur Evacal. Merci à Chic Mal. Merci à Ibrahim Kalemba. Merci à Monsieur Laurent. Merci à Sandra Lifino pour la contribution et pour la motivation sur le mur. Merci à Monsieur Julio et à vous tous. Merci à Monsieur Pinto et à vous tous qui avez donné jusque-là pour que notre campagne avance. Nous reviendrons sur cette campagne demain. Peut-être que demain, nous pourrons atteindre le montant dont nous avons besoin. Nous allons faire des calculs et puis nous verrons. Merci en tout cas à vous tous d'avoir donné. Sinon, c'est par là que nous allons, c'est par ici que nous allons mettre un terme à notre émission Marius chez vous d'aujourd'hui. Au nom de Maître Mopotou Mogbaya qui m'a aidé à vous à préparer cette émission. Au nom de Freddy Montiri, loin des yeux mais près du cœur. Oh, Justine K. Merci beaucoup Justine K. pour les 20... livre. Merci, on ne peut pas partir sans vous dire merci, Justine. Merci énormément. Merci, 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 Justine. Merci pour votre soutien. Merci beaucoup. Comme Justine K, vous êtes nombreux à vouloir... Monsieur... Alors, finalement, si on doit rester ici, on ne va pas... Monsieur Evacal double la mise de Christine, comme il l'a promis, voilà. $49 contre le 20 livres, donc qui sont un peu plus, mais... que Monsieur Evacal a doublé. Merci beaucoup avant la fin de l'émission. Monsieur Evacal, merci. Merci, merci, merci. Merci Christine d'avoir fait en sorte que Monsieur Evacal puisse doubler. Nous allons peut-être y revenir demain, mais on n'aura peut-être plus la chance que nous avons eu aujourd'hui de doubler les mises. Chère Christine, en tout cas, merci à vous pour cette motivation. Donc je disais, je vous disais merci et si vous voulez donner, gardez pour demain. Pour aujourd'hui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci à Monsieur Evacal pour cette motivation, pour permettre à nos amis qui ont de vouloir contribuer. Merci à vous tous qui étiez là, mais qui ne pouvez pas donner. Même si vous ne donnez pas, je veux que vous sachiez que vous êtes très important dans cette émission et que votre présence fait que les gens nous suivent encore plus. Merci beaucoup à vous tous.
Alors donc, au nom de tous ceux qui m'ont aidé à vous préparer et à vous présenter cette émission, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis et j'espère vous retrouver très bientôt. Donc ce sera demain à partir des 16h de Washington DC, 22h de Paris et de Kinshasa, 21h en temps universel. D'ici demain, portez-vous bien. Donc voilà, je m'appelle Marius Muhunga pour ceux qui ne me connaissent pas et je vous retrouve demain. Allez, au revoir et bonne soirée. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.